en pile modification faite dans affaire de demande visa H2B HDA. Oui, yo fait en pile modification. 99% modification ça yo, pas gen pouwe avec moun k'ap mande travail là, yo gen pouwe avec moun k'ap ofri travail là. Mais en tant que individu k'ap cherche travail, ou supposé konnen toute modification ça yo. Nan ki sa APD? Y ap edo konnen comment processus la marche, ki le patron ap fè réponse, comment la fè réponse et nan ki occasion ou même ou pral aller nan ambassade américaine. Et m'pral montrer autour dans vidéo ça tout au long de processus demande visa HDBA ou seulement gen yon obligation accompli. Immédiatement que ou fin compli obligation ça, ou supposé rete tête frette et tann yon réponse de tout compagnie ki ou même ou ap écrit. Et gen yon bagay tout ki m'remen lò fè en pi. M'remen lò partager ou like ou commenter. M'remen lò inviter yon zanmi ou vin nan kay la. Laisse ça ou augmenter la communauté que nous gagnons et ça va nous plus force, plus énergie pour nous travailler plus pour nous. Mais juste avant que nous continuions avec la vidéo, je vous demande de vous abonner si c'est pour la première fois que vous regardez la vidéo sur HTBrand. Je vous invite à abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Et si vous déjà vous abonnez, tout pas hésiter à partager, bail la, commenter, liker la vidéo sur notre groupe WhatsApp, Facebook. C'est l'unique façon de travailler ça à plus loin. Rite là, la bienvenue tout de suite. Pour nous commencer, nous avons posé une question. Qui ça qui visa HDBA? C'est un visa qui a une permission d'entrer dans le pays des États-Unis avec un statut temporaire pour travail. Là, je veux un visa ça, la permet d'entrer avec madame et petit tout, mais il faut que tu n'aies pas âgé plus passé de 21 l'année. Là, c'est un visa non immigrant et vous n'avez pas besoin d'avoir une profession pour appliquer pour visa ça. Ça veut dire que tout le monde est dedans. Qui travaille qui est plus facile pour joindre avec type de visa ça? Jardinage, réfrigérateur, sylviculture, tourisme, station de ski et terrain de golf, resort et parc à thème, croisière, détail, restaurant et bar, construction, entretien et gardien. Là, c'est tout travail qui est beaucoup plus accessible à travers visa HDB que les États-Unis a offert dans le moment là. Maintenant, imaginez que vous êtes un monde qui a écrit plusieurs compagnies à la fois. Et un bon matin, vous levez, vous avez une réponse qui dit oui, il y a un poste de travail. En nous, bien rapide, toutes conditions compagnies compagnie pour le respecter. Là, nous parlons des modifications qui fait yo. Et vous même qui cherchez travail là, dans quel moment vraiment vrai, vous pouvez connaître que le patron a un poste de travail là et qu'il est ou pour aller dans l'ambassade américaine. Premier pas, bon côté patron. Il y a pour le montrer au ministère du Travail ici, les États-Unis. Que li gagne plusieurs postes de travail et li publie yo déjà l'ap cherche citoyen américain pour venir travailler avec lui, mais jusqu'à présent personne moun pa jamais rivé. Deuxième pas, patron sa gen pou mande au ministère du travail ici les États-Unis yon certificat de travail temporaire. Yo pral prendre environ 2-3 jours pour étudier dossier. Le ou fin approuvé, patron sa pral faire yon troisième pas. Troisième pas, li pral rempli yon formulaire qui rele I-129. Côté que li pral remplir en accord avec le système immigration des États-Unis d'Amérique. Et après, vous pral prendre temps pour étudier dossier encore. Là, au final, approuvé demande là, vous pral voyer un autre formulaire by patron ça qui relé I-797. Les patrons ça fin remplir l'attend approbation de demande. Maintenant, on nous imagine que le ministère du Travail a approuvé dernier demande patron qui c'est document I-797 là. Ça tout fait au connaît patron gagne en main trois documents essentiels pour demande visa HDB pour là. Sans document ça yo, ou pas même besoin aller ambassade américaine ou pas passer. Premier document, c'est certificat de travail temporaire que patron a demandé dès le début de processus là. Et deuxième document, I-129 là, qu'elle était rempli en accord avec le système immigration des États-Unis. Et troisième document, I-797. Moi pas connais est-ce qu'on remarque ça. Depuis après que on fin fait demande de travail là à plusieurs compagnies et yon nan yon répond nous dit oui, il y a bon travail ou même on dit oui, ou accepter poste travail là ou sorti dans histoire là ou net ou ka remarqué document a tombé toute démarche a fait mais ou même ou pas nan rien du tout. Cela veut dire que ça fait demande visa HDB ça li pas reposer sous dos, il reposer à 95% sous dos patron, sous dos compagnie américaine qu'a voulu chercher là. Maintenant, on regarde un bagage. Patron gagne tout document ça en amène qu'on y a ou même en tant que moun k'ap cherche travail là ou pral entre. Patron pral fò passe, li pral voye boule là nan pio. Qui ça le pral faire qu'on y a? Li carré l'eau dans téléphone, li ka font ti kote interview ensemble avec ou pour le konn profil ou mieux, juste pour
familiariser ensemble avec vous. Patron ça gagne pour le voyer ba ou yon nan trois documents ça ou qu'il gagne nan main. S'il veut voyer tous les trois, c'est mieux. Mais yon nan ou seulement déjà servou. C'est soit li voyer ba ou certificat de travail temporaire là ou bien li voyer ba ou I-129 là ou I-797 là. De pou gen yon nan document ça ou nan main ou déjà gagne visa nan passeport. Konya ki so pral fè konya la ou même avec document ça nan main ou pral rempli formulaire qui relé DS-160 là pour prendre rendez-vous pour visa travail ça ambassade américaine. Et moun ki fait connecter là, moi parler de ça déjà, moi dit nous qui ça DS-160 là, moi montrer nous étape par étape façon pour remplir, moi gen vidéo ça disponible dans channel là si vous pouvez regarder, al gadel ou gen pour remplir formulaire qui relé DS-160 là ou pral prendre rendez-vous pour visa de travail là. Et pas oublier mesdames messieurs, formulaire ça qui relé DS-160 là, c'est un formulaire qui est extrêmement important. Ou ka gen tout document ou nan men pour demander visa travail là, si ou mal rempli formulaire DS-160 là, me garanti ou ap tombe. C'est peut-être ça, moi fait vidéo déjà montrer une façon pour remplir formulaire ça pour demander visa pour travail. Parce que formulaire DS-160 là, chaque type de visa demandé, li exige pour remplir yon façon différente. En nous imaginer ou fin rempli DS-160 là ou prend un rendez-vous normalement ou à la banque ou payer rendez-vous là et date l'arrivée qu'on a pour passer dans interview dans consulat américain. Qui document pour lever? Ou lever passeport valide, ou lever début de photo, ou lever confirmation DS-160 là, le ou rempli DS-160 là, y a ba ou un papier de confirmation ou supposé sévli et imprimé pour lever dans moment interview là et ou lever tout formulaire qui patron hein, te voye ba ou a. C'est soit certificat travail là ou I-129 là etc. Ou déjà comprendre. Maintenant, l'arrivé dans interview ça, ça faut lever tout document ça, c'est parce que yo besoin confirmer réellement c'est ou même qui vient demander visa parce que dans I-129 patron voye ba ou a. Ou du moins dans certificat de travail là, la gen un numéro là-dedans et là ou tape numéro ça, toute information apparaît. Yo pral regarder DS-160 là, est-ce que c'est ou même vraiment et vous pouvez regarder documents, passeport, etc. Là, déjà comprendre. C'est très facile, mais faut placer tête. Pas oublier, m'a prédit ça encore. On te rappelle, c'est bien important pour apprendre à remplir DS-160 là. Ou quand un document sa patron envoyé bah ou qui important pour visa, cap libérer visa, mais de pour tomber dans DS-160 là, ou faire un erreur, yo pas qui t'au passé. Parce que information pour le certificat de travail à travers numéro pour le sceller dans papier ça, si information que vous fournit dans DS-160 là pas en accord avec sa patron envoyé, y a dit c'est pas ou même et ou pas passer dans l'interview ça. Moi garanti ou pas besoin de visa. Moi surtout comprendre vidéo là, si vous avez doute n'a live de merci divin n'a venir avec un live complet parce que ça fait visa ça comme du bien sonné qui gagne expérience dans ça. Moi coacher plusieurs monde après ici et dans ça gagne pour avec voyage, visa etc. Son thème qui me domine bien et moi garanti ou sous suivre moi chaque jour ou tendez vidéo jusqu'à la fin. Ou ap toujours bénéficier en pile en termes de connaissances de visa, voyage, etc. Moi, je souhaite que vous remettez la vidéo et vous partagez avec tout le monde qui vous connaît. Et après, je vous très bientôt dans live pour demain si vous avez. Mais préparez question pour moi, tout doute, tout ça vous besoin de connaître, nous répondons en direct.